assassination, je vois. Comment tu soulèves ça? Ah ben c'est léger. Ils galopent les chevaux avec ça. Oh! Tu en portes ça pour la fois, d'accord, d'accord, je ne comprenais pas le système. Ça, c'est pour les pattes, ça. Ça c'est celui de cette tête de valse. Oui, ça marche, ça, ma chérie. Ah, c'est bon. Ah, c'est tout inclus. Tout est... La pâte, tout d'une... C'est quoi comme... C'est ça, cette nouvelle bâche, là? Ah ouais, c'est un nouveau tissu. C'est que des produits nouveaux, quoi, que des nouvelles technologies. Question gratinure, tu as déjà essayé, c'est génial. C'est génial. On n'aura plus les questions, questions à la côte. Dites, monsieur, il y a des plaques à faire dedans. Eh ouais, mais elles sont toutes petites. Ça se déchire pas, les fait au revoir, caparazzo. J'ai des souvenirs quand il était enfant et que je travaillais au MAS avec son père. Il était déjà, enfin, il était méchant comme la teigne, puisque sans dire ni bonjour ni rien, il donnait des coups de pied dans les chevilles. C'est un véritable homme de cheval. C'est un homme de corrida, avec un caractère très très fort. C'est un garçon qui se livre pas beaucoup. C'est un garçon un peu torturé. Je dis torture parce que Philippe recherche tout le temps la perfection. Je crois que chaque fois qu'il a monté une marche d'escalier, il a déjà oublié celle d'avant. Il est comparable aux philosophes qui cherchent la vérité et qui savent très bien qu'ils ne la trouveront pas. Oui, c'est du poison mortel, Philippe Herral. Quand on y a goûté, c'est difficile de s'en défaire. Mais ouais, je crois que j'ai un vrai sentiment pour ce garçon. Quoi. Dans cette maison, il y a des milliers de chevaux qui sont passés et qui ont piqué des taureaux. Il y a toute une histoire qui est présente dans ma tête quand, à chaque fois qu'un taureau sort et qu'un cheval doit se présenter face à lui. Mais c'est pas une souffrance que d'aimer son métier et que de le faire pleinement, avec passion et être conscient aussi du risque que cela encourt. Il est évident que bon, mettre un cheval devant des cornes de taureau, c'est plus compliqué que d'aller se promener dans une forêt. Hein. Le diable ne le prend pas, non? Ah oui, comme ça, t'arrêtes pas. Ah bah bravo. Voilà. Voilà. On va à l'Est. Course costaud là ce week-end. On a un bon week-end. Après les amusements de Tyros et Brocas, là on a un week-end sérieux. Mais ça va bien se passer comme d'habitude. On a les chevaux qu'il faut. Ça va, Tintin? Ça va. Pas volé la place. Super. On a la chance. Ça, c'est le top. Un, deux, trois.
ne peut pas comme si vous portiez, on dirait qu'il fallait 300 kilos ce matin. Faites comme vous supportez. Ah, mais c'est bien, c'est que ça. Il faut savoir que nous, on arrive en gros 2 heures avant la course pour pouvoir préparer les chevaux. On met les manguitos, donc toutes les pièces de dessous. On le fait s'habituer pendant un moment, le temps qu'on prépare tous les chevaux. Et à l'issue, on lui met le caparaçon. Et après, le cheval est à nouveau remarché, voire monté avant d'être pris par le picador. Donc le temps exact, si on faisait tout d'affilée complètement, il faudrait compter une demi-heure. Il y a une chose que je crains le plus, voilà, les trucs comme ça, c'est l'arrivée des fantassins. Parce que tu les crains, parce que tu les connais pas, et ça dépend beaucoup d'eux des fois. On peut avoir du très bon matériel, de très bonnes choses, de très bon cheval et tout, si le type monte, qu'il a un peu peur, qu'il ne sait pas s'en servir. Alors c'est ça, c'est le plus authentique, c'est ça. Tu les connais, ces enfants de cœur? Ah ben à gauche, il y en a un qui est très mauvais. Très mauvais. Voilà. Non, le petit, il est fatal. Fatal. Lui, il lâche tout, il s'accroche à la tête du cheval. C'est pire, le bambier. Toi aussi, merci. Suerte, hein. Suerte. On le pousse maintenant ou après? On peut le passer haut, non? On peut le passer avant de sortir. D'accord. Avance, René. Yo, el que puedo coger soy yo de todos los caballos, joder, y me va a echar que te da la gana a ti. Oye, este hombre, oye, ¿qué te pasa? No es así. ¿Qué te pasa? Que no es así, que de todo el que puedes coger soy yo. ¿Pero qué te pasa? ¿No sirve ese caballo? Que sí, hombre, que uno va a servir. Pero joder, pues algo más justo. No, es que es así. ¿Es así? No es así, mira. Sí, oye, si no, mira. Si no quiere este, pues coge este. De verdad, venga, trae el caballo. No pasa nada, pero no es así, Lulú. Siempre se coge por antigüedad. Si el caballo no sirve, estoy el primero. ¿Y ese por qué ha toreado? Si ese van ido, ¿por qué han querido? Joder, yo... No, porque es así. Dos caballos, un caballo por cada cuadrilla. Sí,
¿No quiere este? Coge el otro. También tú has picado con este. Podría haber cogido, ¿no? Pero, es lo que te quiero decir. Pero mira, ese caballo no le he visto mal. No lo he visto tampoco mal. Yo, pero vaya. Pues, ¿qué pasa? Pero después de picar, tú me vas a decir que está a gusto con este ahora. Il a un peu le stress, quoi. Il a un peu le stress, mais le problème, c'est que si je lui donne raison aujourd'hui, demain, il va arriver avec sa grande bouche. Donc, bon, le cheval, il a été bien. Il n'y a aucune raison pour qu'il change. C'est son tour. Les autres picadors n'ont rien dit. Ils ont pris le chevaux qu'on a décidé ensemble de mettre. Lui, il a un cheval qui lui a attribué. Son compagnon l'a pris. Il a été très bien avec. Il n'y a aucune raison qu'il change. Si le cheval avait été mal, c'était à moi... Le premier à dire non, je ne suis pas d'accord pour mettre ce cheval. Voilà. Le cheval a été bien. Tranquille. Doucement. Voilà pourquoi il est tombé. Il a pris le pet, il a rentré la corne, c'est pour ça. Attends, René, sors-le. Non, mais on vérifie. Doucement. Habillez, donnez le cheval suivant à l'autre, qu'il y en ait qui s'en occupe. Non, je n'aurais pas tout défait. Ouais. On va ouvrir. Bouge pas, si moi je le mets à 5 là. Là. Moi. Mais je veux vérifier quand même. Et attaque. Il a coupé la bande hier aussi. Tombe de la tête. Tombe encore une 5. Bon, attendez. On n'en a plus besoin. Non, il y en a d'autres. Hein. Allez, combien il reste de toute façon? Il reste un taureau, on n'a plus besoin, on va le déshabiller et puis voilà, c'est réglé. Allez, après Jaguar, on a piqué deux. Le cinquième, c'était le client de la course, il a pris deux chutes, sans conséquence, ça va. Ah ouais, le taureau, c'était un babard, tu vois. C'était le bison. Il a soulevé le cheval en poids comme une merde. Voilà. Et après, les deux autres, c'est Dwayne dès qu'il les a piqués, très très bien. Voilà. L'angoisse, elle peut être avant, quand on est dans l'action, cette angoisse-là, elle disparaît complètement. Ça fait. Un cheval, quand il est par terre, un vrai bon cheval de picador, il sait où il est, il sait qu'il y a un taureau qui existe, il sait tout ça. Il bouge pas. Et quand un taureau le met par terre, il bouge pas. Il attend que l'homme arrive et l'attrape avec ses mains. C'est au contact de l'homme que ouais, le cheval réagit. Un vrai bon cheval. Un vrai bon cheval. Et on le voit il parce le que des chevaux débutants, ça n'arrive pas, ça. Ils continuent à gesticuler, ouais, le taureau, ouais, il continue à s'exciter dessus. Ouais. Du moment que ça bouge, le taureau, il continue sur sa proie. Quoi. Mm-hmm. Alors que le cheval qui fait le mort, là, qui ne bouge plus, mm-hmm, le taureau s'en va, il n'y a plus d'intérêt aucun. Ouais. Et c'est justement là ce qui fait la différence entre un cheval débutant et un cheval qui a du métier. Bon, un cheval comme Dalton, quand il est arrivé de chuter, ben, il ne bouge pas. Et le taureau s'en va, il est toujours là, il attend qu'on arrive. Hein. Il a pris l'habitude. Hein. Et dès qu'on lui met la main sur la bride, le cheval, d'un bond, presque, il se relève sur nos pieds. Quoi, hein. La pauvre R, attendait qu'il se relève fort. Hein.
Alors pourquoi l'utilisation d'un cheval? On pourrait très bien imaginer, pourquoi pas un tracteur, pourquoi pas infliger cette blessure sur un point fixe. Bien le taureau chargeant sur tout ce qui bouge, non pas sur les couleurs, le cheval étant quelque chose de mobile, en fait on oppose au taureau, qui est un taureau dit de combat, un adversaire à la mesure de ce que pourrait rencontrer un taureau dans la nature. Son utilité, de toute façon, c'est d'affaiblir le taureau de façon à ce qu'il puisse baisser la tête. Si cette action n'avait pas lieu, le taureau ne pourrait pas accéder et pouvoir planter les bœufs pour pouvoir le tuer. Puisqu'il ne faut jamais oublier que le principe fondamental d'une corrida, c'est une mise à mort, c'est mettre en mort le taureau. Cette masse mobile a quand même évolué dans sa technique. Aujourd'hui, on utilise des chevaux plus légers, beaucoup plus mobiles, pour avoir une véritable vision du côté bravoure du taureau. Le taureau par excellence doit être brave et noble. Là, on va exercer sur sa bravoure, c'est-à-dire, comme tout animal sauvage, il recrée, dès qu'il rentre en piste, un environnement naturel et un territoire naturel, et il va vouloir charger et se battre sur tout ce qui empiète son territoire. Vámonos, toque, vámonos, encima, vámonos, vámonos, eso sí, dale con la espuela, dale, dale fuerte, vámonos, encima, eso sí, bien, así, toque, 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 vámonos, vámonos. Le cheval, j'ai envie de le respecter profondément. Certes, ma manière à moi, elle est peut-être pas évidente, mais c'est ma manière à moi. Je peux pas ressembler à un cavalier de concours hippique, je n'ai pas les capacités, je ne peux pas faire des cascades avec mes chevaux, je n'ai pas les capacités. Je ne me suis pas trouvé une autre vocation que celle-là, parce que peut-être elle était à portée de main aussi. Bien sûr que je les amène à un combat, mais c'est leur manière à eux de bosser aussi. Et comme dans ce combat, je ne les amène pas non plus pieds nus, ils y vont avec 2 ou 3 années de dressage, ils y vont d'abord avec une forte sélection. Je ne suis pas le bourreau qui se met en tête de former un cheval de picador. Si le cheval n'a pas envie, il n'a pas envie, point. Il faut qu'ils aient un gros cœur aussi, du souffle, du rythme, de l'équilibre. C'est lourd, le dressage d'un cheval de picador. Puis après, il faut qu'il soit bien harnaché. J'y passe beaucoup de temps, beaucoup de temps. Bon, certes, je les mets devant le taureau. Dale con la puela. Et de l'oeil béni s'il faut. J'ai vu Philippe avoir mal physiquement, physiquement pour ses chevaux, mais c'est vrai que sa véritable torture au fond de lui, c'est cette espèce de paradoxe qu'il y a entre ses chevaux, qui sont sa vie, et son obligation, quelque part, de le mettre devant des taureaux, devant du danger. Souvenir. Alors, au début, là, il y a des coupures de journaux. Il y a quelques photos qui sont. Il y en a une où je suis juste devant le taureau, il me regarde. Et là, c'était un kit, j'ai eu un kit de Denis Lauré, là, qui est arrivé au bon moment parce que sinon. Ah, et là, on voit la position du cheval qui est comme ça et tout. Là, c'est une grande photo aussi parce que le cheval est complètement en l'air. Là, le taureau, il a 600 kg sur une corne. C'est une photo qui est extraordinaire. Hein. Sur une corne, et pas avec les deux, hein, en plus. Hein, c'est pour vous dire la force que peut avoir un taureau. Et là, j'ai une photo prise qui est apparue dans Tauros avec mon ami Louis Héral. Louis Héral était le fournisseur de cavalerie de toutes les arènes du sud-ouest et pas mal du sud-est.
En dehors de ça, c'était un monsieur qui aimait la corrida, qui était aficionado, qui aimait le contact, qui aimait bien vivre. C'est pour ça qu'on a eu une osmose tous les deux dès qu'on s'est connus. On a été très amis en peu de temps, quoi. Alors ça, c'est Philippe Héral en train de faire l'alguazil. Et ça, c'est son père avec les moustaches. C'était un homme qui avait une connaissance du cheval extraordinaire. Et il voyait un cheval dans un pré et au milieu de 5 ou 6, il disait celui-là là-bas je le veux, c'est un cheval de picador. Bah, il a les pieds longs, là, on ne peut pas trop bien le voir. En plus dans les pierres. Enfin, à mon avis, il a le bon type. Hein. Vous avez vu, c'est pas génial. On peut y mettre le bouchon dans les oreilles, il bouge pas. Il est impeccable ce cheval. De toute façon, s'il est attelé, hein, déjà, il est manipulé. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il était dans une bonne maison. Ouais. Il a été manipulé. Ce cheval, il a toutes les caractéristiques pour faire un cheval de picador. Après qu'il a envie vraiment de piquer des taureaux, ça c'est une autre histoire. Morphologiquement parlant, il est parfait. Un cheval de picador, pour qu'il soit bon, il faut qu'il ait de la race. Je sens à son œil, il a un regard, quand on est arrivé tout à l'heure dans le champ, il a repéré notre voiture, on était à 2 km. C'est important. Il est pas. Il est éveillé le cheval. C'est un cheval qui est vif, quoi. Des fois j'en trouve sur des foires aux chevaux, des fois on me les recommande. Des particuliers canons, un peu partout, quoi. Il n'y a pas de magasin proprement dit pour acheter un cheval de picador, surtout qu'après c'est un peu le coup de foudre, quoi. Je vais mettre tous mes efforts dessus et si vraiment, vraiment le cheval il était trop rebelle, qu'il n'ait vraiment pas envie de faire un cheval de picador, eh bien, comme à la base c'est un cheval gentil, qui est déjà monté, attelé, il fera le bonheur de quelqu'un qui voudra aller se promener le dimanche avec. Il n'y a aucun problème à ça. Mais en aucune manière, je penserai en faire un cheval pour l'amener à l'abattoir. C'est affreux, ça. Il n'a pas envie, lui dit, allez, regardez dans quoi il est dans un tapis d'herbe. Moi, je vais le prendre, je vais y mettre un costume de lumière. C'est vrai que pour la personne qui est étrangère à la situation, qui ne connaît pas la vie et tout, il y a un paradoxe, parce qu'on élève des chevaux, on les aime, on les alimente, on les soigne, n'importe quoi, et puis on les dresse, pourquoi ? Pour aller se battre contre un taureau, pour aller... Alors c'est vrai, il y a peut-être un paradoxe, mais ils sont fournisseurs de cavalerie avant tout, comme il y en a qui dressent des chevaux pour aller faire des courses, pour faire n'importe quoi, pour atteler, pour... Et il aime tellement le cheval qu'il invente plein de trucs à l'heure actuelle pour le protéger, pour essayer qu'il lui arrive le moins de mal possible. C'est mon grand-père qui a commencé à faire ce métier de fournisseur de cavalerie pour les chevaux de picador. Et à l'époque, on lui a proposé un caparaçon en cuir qui était très succinct, qui protégeait à peine les chevaux et qui était donc blessé mortellement quasiment à chaque taureau. Et mon grand-père, qui était avant tout un homme de cheval, il était venu à la corrida tout à fait par hasard. Ça a été à la base un dépannage. Il s'est rendu compte que ce caparaçon était complètement inefficace. Il a un jour imaginé un caparaçon qui est encore d'actualité. Ces nouvelles matières qui sont plus résistantes et plus minces que les matières que j'utilisais jusqu'à présent font que le cheval se trouve très à l'aise au niveau de ses membres et donc se déplace devant le taureau avec beaucoup plus d'aisance. Ensuite, quand le taureau, lui, est là et charge, ce cheval, en étant dans un vêtement plus sportif, il est beaucoup plus à l'aise pour combattre face au taureau. Et donc, moi, ma recherche, c'est un maximum de protection pour un maximum d'efficacité et un minimum de poids
et de légèreté tout, pour que le cheval ne soit pas engoncé comme il était autrefois dans cette sorte de cuirasse. Celui qui est devant là, le non, pas le premier, derrière. Celui qui est derrière là, ouais. C'est le plus gros de. Ouais, il est plus gros que l'autre. Non, mais le plus gros que l'autre qui est à côté. Ouais. Et le plus gros de la course, il est où? C'est celui-là là, ou celui qui est dedans? 36. Celui-là là. Moi, je sais me voir en bas là. L'autre, il va paraître en piste, mais il est plus court. Bonjour. C'est pas vrai? Si, si, c'est plus gros. Les deux plus sérieux, c'est celui-là et l'autre. Là, le 300, celui-là, c'est le 300. Le 89. Oui, le 89, là. Là, celui-là. C'est là qu'il s'y tire. On les voit pas bien au corral. En plus, il pleut aujourd'hui. Donc, ils sont tous réfugiés, là, sous le petit préau. Et ils sont dans le noir, on les voit pas trop. Et en plus, c'est une ganaderie qui est très, très forte, très difficile pour nous. Et là, s'ils ressemblent à des taureaux normaux en piste, ils se mettent beaux, ils se mettent grave forts. C'est la race qui veut ça, c'est une race. C'est des taureaux sérieux. El toro tendrá sobre 500, 500 pico. Y aquellos, este y estos dos, 450. Hay que mimarlo por eso, ¿me entiendes? Mimarlo en el sentido de no pensar que vienen ahí unas catedrales. No. Entonces, para dar un poco de emoción, porque todos venimos ahí. Si lo podemos facilitar, claro. Si al final lo que buscamos es un poco de emoción y la quitamos, uno más, ¿no? Vamos a ver, qué tarde. C'est les leveurs à qui nous avons demandé un peu quelques renseignements sur les taureaux en matière de poids et en matière de comportement, comme d'habitude. Bon, mais d'après lui, c'est une corrida tout à fait normale. Bien que nous, on en ait vu deux un peu plus sérieux que les autres. Luego, un par de pasitos para acoplarte bien con el caballo. Eso es. ¡Sora! ¡Es Camille! ¿Qué me dice? ¿Sí? Sí. La corrida, c'est quelque chose de sérieux et tout le monde le prend au sérieux. Si on arrive ici en rigolant et en se foutant de tout. Il est là le picador, Michel. Non, c'est sérieux la corrida. Et les picadors, c'est normal qu'ils aient un petit peu l'inquiétude, plus de mal faire qu'autre chose en fait. Gracias.
Michel. Allez, vamos. Michel, ça va? Un peu d'exercice. Du moment où tu t'es défait. Non, mais c'est bon. Là, tu prends le devant. Allez, tu lâches. Philippe, ça s'est bien passé là? Ouais, enfin, on va voir le cheval quand même. Hein. Là. S'il n'y a rien. Là. Attention. Le dernier taureau a été pris, a été mal pris par le picador. Et dès lors que le picador ne tient pas au bout de sa pique, c'est le cheval qui prend toute la force. En plus, le picador était trop près des planches. Le cheval a donc été gêné par les planches. Ça arrive. Non, laisse-moi faire. Je te dis qu'il est con aux oreilles et c'est moi qui vais en prendre un sur la tête. Le sabio que nous sommes, c'est notre appellation. En espagnol, c'est le singe savant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est habillé avec une chemise rouge et un pantalon bleu, puisque c'était comme ça qu'on habillait les petits singes qui tournaient autour de la piste et qui servaient un petit peu de dérivatif au moment où on changeait de numéro dans le cirque. Et donc notre rôle, c'est quelque part, hop, tu me vois, hop, tu me vois plus. Mais sinon, il y a tout ce petit travail, remettre un trier en place, changer la pique. Si le picador a raté l'éperon avec un bâton, essayer de pourronner à sa place, récupérer une bride. Tout ce petit travail qu'effectivement, le spectateur ne voit pas. Tranquilo. Venga. No, no me... No me...
Tú tranquilo, vamos. Si, un peu, mais ben, ben, après. Ben, tu fais faire la vuelta au picador. Il va se faire applaudir. Hein? Ouais, ouais. Il faut pas rentrer de suite. Tu dis, ah ouais, ouais. Il s'allonge à la gente, hein, non. Ouais. Hein? Venga a saludar. Bueno. Je suis content, il y a eu un grand picador et puis bon ben voilà, hein. Je crois que le travail du monosable est très important en piste. Elle est très grande, ça, non? Bon, ça fait partie, quoi. Je veux dire, c'est. Bon, on n'a pas le temps de trop réfléchir là. On pense plus au cheval dans ces cas-là que. Puis d'abord, si on réfléchit, on n'y va pas. Bon. C'est bon? On peut faire toujours des choses un peu. Il est fier parce qu'il y a des fois où c'est arrivé dimanche dernier à Aéro-sur-Adour, il m'a dit le cheval il est monté sur le bord de la contre-piste et quand il a senti cet appui, le cheval de lui-même il est appuyé et il est allé devant le taureau et c'est lui de son cœur qui a combattu ça. Et ça vous fait pleurer quand on le remarque. Ça. Moi j'ai vu un cheval sans le picador se mettre contre et continuer à piquer pour ainsi dire. Quoi, hein. Sans le picador. Le picador était tombé, j'ai peut-être arrivé à l'abri, le cheval il s'est appuyé, il a tourné et il continuait à faire son métier de cheval de picador. Et là quand on voit ça, le cheval il a droit à 1 kg de sucre, après on l'embrasse, il peut faire n'importe quoi, il peut taper, envoyer les pieds le lendemain, on lui dit rien. Hein. Quand on voit ces chevaux, quand on arrive au mas, dès qu'ils nous sentent, on leur parle, on rentre dans les box, ça va, je dis alors machin, alors truc, comment tu vas? Ils sortent la tête, ils nous regardent, ils nous caressent, ils sentent qu'il va se passer quelque chose, parce que si on est là, c'est pas pour le plaisir. Quand il y a le bruit du camion, alors là, ils commencent à piaffer, parce qu'ils disent ça y est, aujourd'hui on sort, on est content. Et c'est une relation tout à fait. C'est difficile à expliquer. Et je ne suis pas pourtant un homme de cheval. Hein, j'adore les chevaux, celui-là et tout, mais je ne suis pas comme Philippe Héral qui, lui, il aurait dû être né cheval. D'abord, s'il est réincarné, il sera réincarné en cheval. Lui, parce que lui, vraiment, c'est son. Il est omnibulé par le cheval. Pour en revenir au cheval, pour moi, il a un rôle très important dans la corrida et. Je fais attention à mes mecs aussi, j'ai peur de l'action quelquefois de mes monosabios, mais je pense qu'eux ils sont là parce qu'ils ont vraiment envie, mais les chevaux on leur demande pas leur avis. Donc et puis les chevaux, si vous voulez que je vous dise, j'aime plus les chevaux que les gens. Dans mon quotidien, je le vis très bien de plus aimer les chevaux que les gens. Très très bien. Parce que les chevaux, quand on leur fait plaisir, ils leur rendent beaucoup plus que les gens. Un cheval, c'est pas égoïste. Le matin, quand j'arrive dans mon écurie, il n'y en a pas un qui oublie de me dire bonjour à leur manière. Ils me regardent, ils s'expriment, ils s'agitent.
quand j'ai des coups de blues, et ça m'arrive, parce que je vis un peu sur la tension permanente. Et bien, prendre un cheval et aller se promener au milieu de la campagne, ça vaut tout l'argent du monde. Quelqu'un qui n'est pas cavalier ne peut pas se rendre compte de ça. Il ne peut pas savoir ce que c'est que d'être seul dans la nature avec un cheval. Parce qu'on n'est pas seul. C'est justement là le paradoxe. On croit l'être, mais on ne l'est pas. Un cheval, ça respire. Ça a peur. Ça vit. Ça tombe malade. Un cheval, c'est un enfant. Suave, c'est une grande histoire, Suave, c'est 780 taureaux piqués, et pas des petits, que des gros taureaux, toutes les corridas fortes, dures, Suave les a piqués, et maintenant il est là, dans un champ, bon, je peux pas tous personnellement les garder en retraite, mais bon, on en a mis à pêche petit, une retraite pour chevaux. Puis après, jamais chez les particuliers, il y en a qui ont envie d'avoir un cheval de picador retraité dans leur jardin, ce qui me fait très plaisir. Et puis moi, j'ai décidé de garder Suave, parce que ce cheval, je l'ai fabriqué de A à Z par un long dressage, on l'a eu à 2 ans. Mon père l'avait acheté sous la mer. Ça a été un phénomène, tous les picadors espagnols l'ont connu, reconnu, et ça a été vraiment un cheval exceptionnel. Une année, ce cheval a quand même été capable de piquer l'ensemble de la ferrière de Dax. Et il est tombé au dernier taureau. Il y avait une corrida de Mourteir à Grave, qui sont des taureaux très lourds et très difficiles pour le cheval. Et je me souviens, il est tombé au dernier taureau. Mais il venait de piquer la ferrière complète. Il est tombé de fatigue. Chaque année, je me débrouille en privé quand on a des petits taureaux à la maison, quand il y a un taureau pas très gros, je lui mets le caparaçon, j'y en fais piquer un ou deux chaque année. Mais ça, c'est pour pas que le cheval tombe complètement dans une retraite, à oublier tout et à se laisser aller, à se laisser vivre. Je veux dire, il fonctionne comme un torero, ce cheval. Parce que les vieux toreros, quand ils coupent la retraite, ils sont trop gros, ils ne peuvent plus mettre le costume, ils n'ont plus envie, ils n'ont plus envie de prendre de risques et autres. Mais par contre, chez eux, ils ont toujours des petites arènes, ils se sortent un taureau et ils s'amusent, ils se font plaisir. Voilà. Et lui, c'est pareil. Il faut que je fais pareil avec lui, quoi. Quand on met un cheval débutant devant un taureau, on ne peut pas dire au taureau, attends 2 secondes, oui, on va régler le cheval, on revient après. Quoi. Vous avez combien de chevaux? J'en ai 25 là. 25. Et vous tournez avec 8. Là, il y en a 8. Le camion, c'est 8 places. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la visite du maire, comme quoi c'est vraiment une corrida importante aujourd'hui, ça me donne le frisson. Corrida de Victorino, bon, c'est une ganaderie réputée. Qui, je pense, va se grandir au cheval. Et mon but à moi, c'est de mettre des chevaux justement adaptés à cette corrida, essayer de mentaliser les picadors aussi, parce que c'est pas simple. Et bon, je suis content parce que le maire est venu voir justement si on avait les chevaux en forme, ainsi que le directeur des arènes de Dax. Donc, il faut qu'on mette le paquet. Bon, à tous, mucha suerte. Et surtout qu'il y a de la mobilité, là, que ça bouge un peu. Là. Comme dit Philippe, il faut filer le feu aux arènes un peu. Là. Il faut que les taureaux et les chevaux. Partez manger tranquillement et laissez-moi faire. Cet après-midi, je vous dis tac, tac, tac. Et je ne vais pas me tromper, Jacques, je ne me suis jamais trompé avec vous. Moi, mon but, c'est ici de mettre le feu. C'est mon avenir que je joue. Et j'ai envie de vous faire plaisir à vous et que
les organisateurs et le public, les aficionados voient que Philippe Herrat est une vraie cavalerie qui tient la route. Non, mais nous, Philippe, nous, par contre, nous, on a un matador qu'il faut que je le les sais. Taureaux... Mais attends, les taureaux, on les a si toujours laissés c'est mieux, c'est piquer. Bien. Non, si c'est... Mais nous, il y a des chevaux là qu'on connaît et on veut et des chevaux qui nous intéressent. Quoi. Si tu peux le faire, on te le demande. Hein, voilà. Mais... Il y a un problème sur l'un des chevaux ? Non, il y a un problème. C'est que nous, les chevaux, on les connaît. Oui, mais je sais bien, tu les vois chez vous. Les meilleurs possibles. Voilà, ceux qui sont bons pour nous. Donc on sait qu'ils sont sûrs. Mais disons que moi, je préférerais qu'on pique les taureaux trois fois cet après-midi. Mais moi aussi, oui. Hein? Et là, j'ai un cheval. Plutôt que de les tuer à la pique. J'ai un cheval qui s'emploie énormément sur le piton et le taureau, il va se sécher. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord de mettre celui-là aujourd'hui. Non, t'as plus que la corrida, elle n'est pas très, très forte quand même, la corrida. Je joue le jeu, Jacques. La corrida non est très forte. Crea un pique. Un cavallo qui se mueve. Allez, faites-lui confiance que ça bouge. Ce cavallo s'emploie demasiado en el piton et va reventar le toro al primer puyazo. Et eso. Non, mais oh. Allez, faites-lui confiance. Una vez. Faites-lui confiance. On a besoin d'une grande corrida. Si estoy mal, un puyazo a mí. Non, ton matador aussi nous fait confiance. Non, mais matador, mais on comprend. C'est pour ça qu'on est là. Que les mecs trouvent que mon activité est complètement débile, je le conçois. Ils ont peut-être raison. Il y a des gens qui, pour s'éclater, vont se taper des sommets à des montagnes. Moi, mon sommet, il est atteint quand il y a un taureau de 600 kg qui part sur un cheval bien dressé. Là, j'ai atteint l'Himalaya. Oh, c'est sûr, on tue le taureau, mais c'est pas moi qui le tue. Moi, je protège mes chevaux.